C'est devenu un festival magique, grâce à Brigitte, bien évidemment, qui a été une belle rencontre pour moi et pour Beauvais. On a souhaité, j'allais dire, dans notre projet municipal, on a souhaité offrir des temps forts culturels aux Beauvaisiens, qu'ils soient de musique classique, de musique contemporaine, de différents instruments. Et j'avoue qu'on a beaucoup de chance. À chaque fois, il faut des temps forts et puis il faut des concerts normaux, entre guillemets. Donc les temps forts, c'était, je pensais, la nuit russe, parce qu'on avait des artistes exceptionnels et un programme absolument exceptionnel. Et puis ce concert de clôture avec ce monsieur de légende qui est Ivry Gitlis et qu'on a eu la chance d'avoir aujourd'hui avec nous à Beauvais. Maître Gitlis aimerait un peu de lumière dans la salle. Il veut aussi voir le public. Oui. C'est possible ? Voilà. Il nous a donné... des œuvres avec son sens de la magie, son sens de la scène, sa générosité, sa bonté, son amour de la musique. Enfin, j'ai trouvé que c'était absolument exceptionnel ce qu'il nous a donné. En l'air de l'automne, qui commence à froidir, on va jouer le premier mouvement de la sonate qu'on appelle le printemps. Cette rencontre, c'est la rencontre d'amis qui prennent vraiment du bonheur à jouer ensemble et qui partagent à la fois leur talent, à la fois leur création, à la fois leur gentillesse aussi pour les spectateurs. Je suis très fière d'avoir cette manifestation qui prend une belle ampleur. Étant une année de commémoration pour Chopin, de sa naissance, nous aurons une journée entière le samedi consacrée à des concerts Chopin. Voilà, et le lendemain, nous aurons Elena Bashkirova avec son fils Misha Barenboim, le fils du chef d'orchestre Daniel Barenboim. Voilà, et probablement une soirée espagnole, un petit peu comme la soirée russe, je suis en train de chercher des idées pour faire une nuit espagnole. Voilà.